Est-ce que je te suis ou quoi? Bah vas-y, bah t'as la destination sur GPS, on est d'accord? Oui. Ok, ouais, bah on va se suivre, bien sûr. Non mais c'était pas ça, c'est que je croyais que t'étais barré, je pensais pas que t'étais ici là. D'accord. Oui, ça fait que quelques kilo-octets, ça sert à rien ça. Eh bien salut toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Petite intro de qualité, pourquoi pas, ça fait plaisir, j'espère que vous êtes au taquet. Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 et je suis très content de vous la présenter. Une courte introduction puisque, premièrement, c'est un convoi Euro Truck qui fait très plaisir avec notre ami L7C Fox et Miss. Avec un trajet militaire, vous l'aurez compris, là on est en train de naviguer en Pologne, on est en train de continuer justement sur ma carrière, donc sans cheat. À un moment donné, vous allez voir, on va prendre un ferry, donc on va prendre un bateau. Et à ce moment-là, Fox et Miss vont échanger de place. Donc en première partie de vidéo, c'est Fox qui conduit son camion et en deuxième partie ce sera Miss. Bien sympa, voilà, pas plus de commentaires à dire sur la conduite, vous verrez par vous-même. Et avant de démarrer cette vidéo, dans un premier temps, sachez que le point de vue de L7C Fox est disponible sur sa chaîne YouTube. Et je termine cette introduction, que j'espère pas trop longue, pas trop chiante, en vous proposant un concours. Voilà un petit giveaway, encore une fois, un grand merci à Eneba. Eneba qui vous fait gagner 15€ sur tout leur site. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous gagnez 15€, avec les 15€, vous faites ce que vous voulez sur Eneba. Tous les jeux que tu veux qui sont au prix de 15€ ou moins. Peut-être même que t'as déjà de l'argent sur Eneba, tu vois, donc c'est plutôt cool, ça te permet voilà, d'avoir 15€ en plus. Et Eneba, tu peux totalement convertir ça en Google Play Store, PSN, des clés Xbox, des clés Amazon. En fait, il y a tellement de clés parce qu'il n'y a pas que les jeux, il n'y a pas que les DLC en fait. Il y a aussi voilà, plein de cartes cadeaux également disponibles. 15€ à gagner sur Eneba. Pour participer, rien de plus simple. Vous mettez un petit commentaire comme d'habitude, ça c'est pour m'encourager, pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous mettez également un commentaire, je participe, tout simplement. Je sélectionnerai le gagnant par tirage au sort, ce sera samedi à 18h. Donc gardez bien les notifications YouTube activées, vérifiez bien également samedi à partir de 18h, vérifiez bien, retournez sur la vidéo. Si j'ai répondu à votre commentaire en disant que vous avez gagné quoi, bah c'est que vous avez gagné, oui forcément c'est logique du coup. Et puis après on trouve un moyen de s'écrire par message privé. Tout simplement, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Un grand merci à Eneba évidemment, ça fait très plaisir. Ça fait 2 ans et demi, ça fait depuis 2020, donc oui, ça fait 2 ans et demi, je suis allé vérifier, ça fait 2 ans et demi que Eneba est partenaire de la chaîne, c'est un truc de malade, ils sont géniaux, bref, vous êtes géniaux aussi, bon visionnage à vous, n'oubliez pas le pouce bleu, let's go. Ouais, si, ça t'embête pas de... T'inquiète, j'ai tout compris là, tu m'as fait un clin d'œil. Bon toi avec tes essuie-glaces tu me stresses mais... Mais j'ai pas les essuie-glaces. Mais si t'as les essuie-glaces. Bah non. Ah ouais. Bah non. Et moi je vois que t'as les essuie-glaces. Ah non. C'est trop là, drôle. Là ils y sont. Ouais, là, ouais. Ils tombent plus vite et là ils sont coupés. Non. Eh ben écoute. Bah quand vous voulez, parce que mine de rien le temps passe et il est 10h dans c'est le bon. Jeu. D'accord, eh ben écoute. Dans la vraie vie aussi presque. Tu veux ouvrir la marche ou Non, on passe devant. Ça marche. Ça marche. Et du coup vous ferez un changement de pilote alors au moment du ferry peut-être? Ouais voilà, ouais on après fera vous ça, verrez. Ouais. Ouais. Magnifique. Allez c'est parti. Par contre faire gaffe hein, parce que on peut se faire attaquer à tout moment. C'est-à-dire le truc militaire. Bah ah, oui. Ça passera pas, il faut qu'on aille à gauche et qu'on prenne le rond-point. Ah ouais. Je tourne la tête, j'ai l'habitude. Oh punaise. Ah bah oui du coup t'as pas le suivi. Ben non. Et tu mets pas la carte? Après. J'attends que tout le monde passe là parce que... Ah t'es bloqué? Ouais ben y a la circulation. Ok ok, bah je vais t'attendre. Là je t'arnaque, je te laisse passer devant. Non. Si si. Pourquoi? Si si, je te laisse passer devant, j'ai envie. Oh, y a... Ah mais la voiture elle s'est accrochée. Non, elle a peur. Voilà. Ça sert à l'arnaque, c'est qu'il sait qu'il y a un truc. Non non, pas du tout. Non mais j'aime bien voir les fesses. Ah ok. Bon on va essayer de respecter déjà la limitation de vitesse. Bah moi clairement faut que je fasse attention à pas perdre de thunes ou quoi hein. Clairement. Ah oui mais oui. Eh ouais, eh ouais ouais ouais. Là faut aller à droite. Ouais. C'est sur le feu. Non. Mais j'enlève le GPS si tu me dis les trucs non. Si je te dis la route. Oh ça va Ah je rigole. Je sais de... Le retour de Dupont et Dupont. Par non, contre, parce que vous passez au rouge. C'est compliqué. Ah, je lui ai dit, hein, le feu. Mais bon. Mais non, mais moi, le feu était clignotant. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je me suis déjà pris ma première amende, les amis. Hein. Non. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai que quand il est passé, il clignotait orange. Ok, d'accord.
On n'a pas les mêmes feux, ça va être terrible. Non mais vaut mieux que tu t'arrêtes quand c'est orange. Tu sais que ça va être rouge après. Oui, bien sûr. Bon, il s'endort le chauffeur devant ou... Ah mais t'es déjà là. Mais oui, je me suis pris l'amende. Ah mais oui, oui, si t'as pris l'amende, c'est que t'es passé au feu. Bah oui, je prends pas une amende parce que je m'arrête au rouge. Encore que je bois du rouge dans le camion, je peux me prendre une amende, oui. Vous avez déjà roulé par ici ou pas? Non, pas du tout. Ah, bon bah c'est bien, comme ça tout le monde découvre. Totale découverte. Et puis c'est vrai que par rapport à ce que t'as fait dernièrement en vidéo ou en live, franchement c'est... j'ai trouvé super beau les endroits. Ouais, c'est des paysans de malade, hein. C'est pour ça que j'étais partant de ouf, parce que franchement, ça donne super bien et ça change. Et bon, c'est vrai qu'on revient sur la promode, mais ça change. Et j'ai trouvé super beau. 50. Ça te fait engueuler, hein. C'est toi qui t'en le 10, là, maintenant. Oui, maintenant, oui. Ça fait campagne, un peu. Ouais, et puis il y a des tournesols partout, hein. Ah. Si jamais vous en avez besoin, hein. Eh, vous savez que cette nuit j'ai failli faire une nuit blanche. Bon, je serais quand même, j'aurais assumé pour ce matin, hein. Mais j'ai pas beaucoup dormi, j'ai failli faire une nuit blanche. Pour les étoiles filantes? Exactement. Comment tu sais? Parce que je sais que, enfin, on sait que t'aimes bien le côté astronomie. Ah ouais? Bah oui, et tu en as déjà parlé. Ah putain, oh comment je suis stalké, c'est un truc de ouf. Mais ah, oui, c'est... en plus, l'autre jour sur Insta, t'as mis que tu t'étais levé de bonne heure pour... Ah bah oui, le lever de soleil. Ben oui, bah oui. T'avais un peu ton petit côté, enfin le penchant côté étoile, tout ça. D'accord, oui, mais oui, je suis un peu étoilophile, c'est vrai. Je me suis mis sur un transat, un sac de couchage, mais je croyais que j'allais dormir à la belle étoile. Bon, au final, à 23h30, j'ai arrêté. Mais il a pas voulu, alors. Mais alors, attends, est-ce que t'as vu au moins des étoiles filantes? Parce que nous, on a regardé, il y avait rien. Alors, franchement, j'ai plus vu de satellites d'Elon Musk que d'étoiles... Enfin, en fait, j'ai pas vu d'étoiles filantes, en fait. Voilà, ouais. Par contre, alors, je dois vous dire, moi, vous connaissez l'application Stellarium? Pas du tout. Voilà, c'est pour justement voir les étoiles, où elles sont, etc. En direct, en temps réel. Ouais. Et pouvoir anticiper où c'est qu'elles vont aller, etc. Est-ce qu'il y a deux péages, là, au moins? Oui, parfait. Oui. Ouais, et du coup, oh, regarde, on va faire la course. D'accord, j'ai compris. Monsieur veut pas aller à droite. Tu veux que je repasse devant, peut-être? Allez, vas-y. Let's go. Oui, je disais... Application. Ah oui, merci. Oh putain, hey. Oh, parce que je savais même plus que j'étais là. Hein. Tu vois en direct où sont voilà, la Lune et toutes les étoiles, tous les satellites. Et en fait, d'accord, tu vois aussi les... Ça va, toi? T'as pas l'impression que je te dérange? T'as coupé la route. Ouais, un peu, mais bon, il... voilà. Solidarité routière. Non, bon. Ouais, et donc du coup, j'ai vu... une étoile filante sur Stellarium. Et donc en fait elle était vraiment devant moi et je pouvais la voir. Mais du coup je la voyais pas, les conditions n'étaient pas réunies. Mais en gros dans ma tête c'est comme si je l'avais vue. D'accord. Parce que je l'ai quand même vue. Elle était vraiment devant moi entre deux étoiles que j'avais vues, que je voyais en vrai, tu vois. Donc je pouvais imaginer en fait où elle était et... Mais du coup je l'ai pas vue en vrai. Mais voilà, elle est passée devant moi quand même. Non mais je veux dire, t'as pas de matos, style lunettes ou quoi que ce soit de... Alors, figure-toi que d'ailleurs, on a retrouvé ce matin, et c'est pas une blague, justement, avant qu'on fasse le convoi, on a retrouvé un télescope. Donc, je vais l'essayer ce soir. Ah, nickel. Mais c'est un télescope un peu vieux, tu vois, mais on va voir. Hein. Ça va déjà toujours mieux que rien. Bah, c'est clair, hein. Moi, tu sais que... Alors, moi, je suis ce genre de personne, je m'amuse à regarder avec des jumelles les étoiles. Oh, ah, mais alors, Miss, hier soir, elle me l'a dit. Elle m'a dit, il faudrait que on puisse regarder, puisqu'on a des jumelles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas essayé. Et ben voilà. Mais c'est trop stylé, hein. Enfin, du coup, tu vois pas non plus. Enfin, tu peux pas voir Saturne avec, mais tu vois les étoiles de près, par contre, et c'est trop stylé. Parce que tu parlais que hier soir, normalement, il y avait un alignement de planètes. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une appli gratuite aussi, mais je sais plus le nom. Mais c'est peut-être celle-ci. C'est peut-être Stellarium, hein. Non. Il y a Map à la fin. Bah alors, Stellarium Map. Ah, blague. Eh, mais vous êtes loin. C'est bon, j'arrive là. Y a pas de souci. Ah bah voilà, il va m'entrer dedans. Ah non, j'ai confondu ma remorque avec ton camion. Ah oui, parce que j'étais là, j'allais te dire, mais je suis quand même un peu loin quand même. Bah ouais, mais comme le char derrière il a des rétros, je croyais que c'était tes rétros. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, en plus, c'est vrai, j'ai même pas fait gaffe. Non mais tout ce que je dis c'est vrai maintenant. Non mais alors... Ah non. Mais on n'en doute pas un instant. C'est comme avant le convoi, c'était quoi que je disais?
quand tu as dit que je t'avais dit sur Discord, et puis en fin de compte, je te l'avais pas dit, de mettre en dernier. Ah non, 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 c'est pas ça. Il a fumé la moquette. Non, non. Non, non, c'était autre chose. Vu que les modes en premier, t'avais dit la pro mode en premier et après. Mais non, mais alors il y en a pas un pour attraper l'autre. Non, non. Bah, en gros, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit comme affirmation. Salut. Et après, t'as dit ah oui, mais c'est vrai en plus. Voilà. Un petit silence. C'est pas grave. Non, mais tout ça pour dire que, en gros, Fox, à chaque fois, on a l'impression que je dis des conneries tout le temps. Oh non, bah non, quand même. Ah. Bon, bah c'est bien, tu me repasses devant. Tu trouves pas que c'est fort le bruit du camion là ? Comment ? Tu trouves pas que le bruit du camion. Ah, bah tu m'entends pas en fait. Mais si, 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 mais si, mais si, si, je t'entends, t'inquiète, t'inquiète. Oui, tu veux dire que le son du camion est très fort. Bah ouais, mais là, moi je. On verra après, je referai une manip, je le baisserai. T'accélères pas beaucoup quand même. Je suis d'accord. Hein. Bon, alors je vais accélérer. Si c'est moi qui roule, ça va aller plus vite. Hein. Bon, on verra, on verra. Et moi je prends des prunes. Là c'est une rocade. Hein. Pourquoi à quoi tu vois que c'est une rocade? Oui, pourquoi? Parce que les panneaux sont verts. C'est quoi une rocade? Très bien, très bien, très bien. Eh ben c'est bien. La 4 voies. Comme ça là, mais si c'est l'autoroute, c'est aussi une 4 en 4 voies, mais c'est les panneaux sont bleus sur l'autoroute. Mais les panneaux ils sont verts parce que c'est un autre pays. Non, c'est européen, non? Mais oui, mais les panneaux bleus c'est en France. Non. J'ai un doute. Le doute m'habite. Ouais. Non mais c'est vrai, en plus vu le panneau qu'on vient de voir, je crois que c'était une rocade. D'accord, ok. Moi je savais pas que. Enfin, ça reste une autoroute, quoi. C'est bleu, là. Ouais, ouais. Et pourtant, oui, ça met bien fin d'autoroute, ça. Non, c'est fin de rocade. Le bleu, comme ça? Ouais. Ah, là. Faut tourner. Attends, faut tourner. Hop, 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 hop. Ah, moi, je te dis plus la route, moi, parce que sinon, tu dis... Si, regarde, le feu est vert, impec. On passe. Allez, on y va. Et ouais, parce que là, en plus, comme j'ai pas la reconnaissance... facial, et bien je fais gaffe parce que je tourne la tête, mais le temps que je réagisse qu'il faut que j'appuie sur le bouton pour regarder dans le rétro, mais on a avancé un petit peu et j'ai peur de me louper. Eh, tu sais, alors je vais pas pousser un coup de gueule, je sais pas si tu veux qu'on en parle, en plus toi la relation que t'as avec attends, parce que là l'autre il me fait peur. Ok. Je croyais que j'allais me faire attaquer. La relation que t'as avec Traquière. Ou même avec... mince, comment ça s'appelle Tu fais un peu n'importe quoi là devant là. Oui. Il y a un chat qui est passé. Et voilà, il y a un chat qui est passé, j'ai voulu... D'accord. Ah bah c'est sympa alors du coup. Le chat est plus important que le char. Moi, je me suis toujours pris des vents de leur part. Hein. Ah oui, par rapport à ça, alors... C'est fou, hein. Après en parler, moi, alors là, ça me dérange pas du tout parce que déjà, j'ai fait simple demande, voilà, par mail pour voir s'ils étaient intéressés par rapport au contenu de la chaîne, hein, comme je t'avais expliqué en fait. Oui, oui, mais oui. Voilà. Et puis tout simplement, et ben, ils m'ont répondu. Et puis ils m'ont dit, il y a pas de souci. Il faut juste attendre que la. D'accord. Ok. Faut juste attendre que la chaîne soit validée. On va avoir un problème là. Ah ouais, tu vois, voilà l'exemple même quand t'as pas, que t'es habitué à la reconnaissance faciale et que Attends, arrête. C'est bon. T'es habitué à rouler tout seul. Ah, mais carrément, mais tu fais bien de le dire parce que c'est malheureux. Je suis complètement seul, arrête-toi. Mais alors en plus tu m'engueules pas parce que alors moi je descends. Avance un petit peu et après. Puis je vais aller boire un câble. Tellement l'habitude de rouler solo. Tu tournes trop sec là. Oui, elle a raison, Miss, en plus. Hein. Mais c'est bon, ça passe. Regarde, mais ça passe. Regardez. Il a de la chance. Hein. Ah ben. D'ailleurs, Miss, tu vas pouvoir faire tes preuves parce que si vous faites un changement. Rigoler là. C'est vite là déjà là. Ben oui, mais bon, ça, le temps tourne. Là, j'active, je fais entrer, puis la petite pause pour changer. Ouais. Allô? Bah ouais.
Et là, on va à Caris Corona. Hop. Hop. Exact. Dialogue de sourd. J'arrive, hein. Oh, quel gadget touché. Alors, là, on est en vidéo. Non, mais les gars, j'ai un problème! Merde, t'es bloqué? Mais mon camion il fait gang bang! Ok, j'ai dû me TP, hein. Mon camion il est mort. Hein. Il faut que j'aille dans un. Non, mais frère. Ah ouais? Ah oui, une bite! J'ai perdu tout mon argent pour ça, quoi. Et tu suis le GPS? Là-bas. Ouais. Et tu peux me dire quand même? Ah, mais tu suis le GPS! Ah, j'ai roulé sur quelque chose. Et voilà. Et mais. Ah, mais je croyais qu'il fallait prendre assez large. Mais j'y vois pas. Ah, comme il se venge! Ah ouais, et pourtant, ça touche rien là. Si, tu vas voir, regarde, je vais te montrer. Non, c'est bon, je suis passé. Non, regarde où tu touchais. Où? Là. Mais c'est la voiture. Oh non, là, elle a embarqué le terre plein. Non. Ah, ça bouge dans le volant. Mais c'est normal. Ah, c'est pas bien ça. Ah hein. Oh. Vous avez une voiture devant vous ou pas? Pas du tout. Ok, super. Donc j'y vais. Là, je sais pas si on aura, je crois pas qu'on aura de l'autoroute. Enfin, je sais pas, hein, je connais pas. Oh, c'est trop bien. Je crois que ça marche. J'ai les. Vous aussi, vous avez les essuie-glaces automatiques du coup? Ah, mais je crois que je l'ai pas activé. Ah ouais, il faut franchement. Oui, je l'avais activé. Oui, tu veux dire que. Ouais, ça, c'est vrai, ça fait partie de la 1.45. Ouais. Comme quoi, bah, les glaces se mettent automatiquement et puis ils se régulent automatiquement. C'est ça. Et c'est comme dans la vraie vie, c'est que des fois c'est pas bien fait. Non plus, tu vois, non. Tu. Ah ouais, là on parle moins, là on est concentré. T'as vu comment ça fait? Non, parce qu'il me semblait avoir vu un panneau 90 en vitesse et je vois que je suis en rouge en vitesse. Ben oui. Ben j'étais pas à 90. Parce que c'est 70. Maintenant. Mais tout à l'heure il me semblait avoir vu 90. Mais c'est vrai, il a peut-être raison pour les panneaux, parce que t'as vu, là on a que des panneaux bleus. Ben oui, mais bien sûr, parce qu'on est dans un autre pays, c'est ça, ouais, il a raison, ouais. Ah, ça y est. Il faut pas trop le dire quand même, mais... Oh, punaise, je me suis pris une amende ralentissée. Ah oui, il y a un petit panneau avec un radar tronçon, ouais. Enfin un radar, ouais. Ah, moi j'ai pas vu le panneau, mais j'ai vu le radar. Eh ben nous, on est bien passé. Eh ben tant mieux. Alors tu vois, ça a mis le panneau 90 et nous, au niveau GPS, on a 80. Oui, parce que les camions, c'est limité différemment. Ouais, ouais. Il a raison. Enfin, non, attention, parce que je vais me faire insulter, c'est pas vrai. Si c'est 90, c'est aussi 90 pour les camions. Mais peut-être que là, comme c'est un autre pays, c'est peut-être aussi différent. Genre là, je suis à 70. Ouais, parce que moi, ça me met en rouge. Ouais, ben... Je suis à 80. Oui, alors, oui pour finir de tout à l'heure, c'est vrai que le fait de rouler en convoi, alors que c'est pas comme si on était 50, mais c'est vrai que ça me perturbe d'une force... C'est-à-dire? Je sais pas, c'est bizarre parce que j'ai tellement... Faut tourner là. Oui, il va falloir tourner un petit peu plus loin, sur ta gauche, et mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais t'as pas fini, t'as l'heure de parler pour le tracker. Ah oui, j'avoue. Ah bah, comme j'ai dit, c'est... Mais t'es un petit vénard. En fait, Fox, c'est un petit vénard, il a bien raison, et c'est trop la classe, parce que je savais même pas, je suis tombé par hasard sur vos vidéos Flight Simulator à l'ancienne. Et j'avais, en fait, je savais même pas parce que quand je t'ai connu, c'était déjà pour Euro Truck dans tous les cas. Mais je savais pas que vous faisiez du Flight Simulator. Et quand j'ai appris que vous avez eu la chance, l'exclusivité de l'avoir grâce à Microsoft, je me suis dit non mais là, monsieur, ça commence à faire beaucoup. Alors là, je vais te dire, c'est pareil. Je n'ai absolument rien demandé. C'est bah ouais. La classe. Et direct, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient l'édition Ultimate PC. J'allais pas dire ah oh ouais, moi déjà j'aurais préféré la standard, hein. Bon là oui du coup. Non mais après voilà, puis c'est vrai que ça s'est enchaîné, on a eu une petite période de avec une petite étoile au-dessus de la tête pour tout ça. Vous êtes des stars. Non. Miss c'est des stars pour arracher les panneaux par contre, bravo. Ah ça tu le vois ça? Ah, mais sûrement que je le vois, je regarde tout. Ouais. Non mais puis c'est vrai que tout s'est enchaîné et puis comme tout est parti en fin de compte, et t'as raison de le dire, de Flight Simulator, parce que je me suis dit... J'ai plus de GPS. Mais oui, mais t'es... Mais, quoi oh, mais tu vois, voilà, je ne peux pas parler. J'ai loupé la route. Sur un sujet entier. Merci. Parce qu'elle est partie, elle est sortie de la map, carrément. Ah ouais. Je fais demi-tour. Oh, je peux faire demi-tour là. Oui, vas-y. Dessus les terres pleins là. Oui. Mais non, mais non. Ah mais tu me dis oui. Mais je peux jamais finir. Dupont et Dupont. Ah mais pourquoi tu parles alors? Tu me dis que je peux faire ça.
mais c'est... Oh merde. Posite. Elle s'est enquillée une bagnole. Oh non. Oh mais non. Ah, bon, on va pas la voir. Non, attends. Non, faut que j'avance là. Écoute, vas-y, fais, tu verras bien. Je vais l'amener avec nous. Elle est en train de ramener à la non, livraison mais... une bagnole non. qui est coulée à la... c'est la faute au vidage. Mais elle m'a coupé la route. On est sur je vais rouler sur le trottoir. On est sur le GPS où il y a dans le vide. Je pensais même pas qu'on pouvait passer. Ah mais oui. Mais si, il n'y a pas d'étoile. Ben oui, mais moi, voilà. Et là, tu vas te ramener. Ici. Si. Et voilà. Désolé. Putain, les amis, j'ai moins 28 000 euros de pénalités, de dégâts. J'ai perdu tout mon argent pour un truc qui n'est pas mérité.